SO Radio. Tu n'es pas inconnu dans la région. Peut-être que certaines auditrices ou auditeurs ont reconnu ton magnifique timbre de voix. En effet, tu avais assuré brillamment la première partie de la fête de la musique à Quiz l'an dernier. Alors bon ou mauvais souvenir? Très bon souvenir. Très bon souvenir. Public génial. Ah, il était génial le public, hein. Ouais. Et tu reviendras si on te invite, tu reviendras sur Quiz. Bah oui. Ah ouais. Alors, pour toi, est-ce que le chant est vital? Vraiment, vital. Tu vis vraiment, voilà, ouais. Tu vis, tu dors, tu manges. Je mange. Voilà, musique, voilà, tout. Tous les jours, tout le temps. Alors, j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer vite fait c'est quoi cette anecdote concernant la douche? Cette fameuse douche. Eh voilà. C'est un jour où j'étais partie me laver. Et en gros, j'allais prendre le shampoing pour me laver les cheveux et j'aperçois une mygale, mais vraiment une mygale. J'ai eu tellement peur que j'ai même pas poussé un petit cri de frayeur. Je suis sortie de la salle de bain complètement nue. Et puis maman, elle était là en face de moi, elle me fait « Bah qu'est-ce qu'il y a ?»« Bah écoute, maman, il y a une araignée, viens m'aider, il faut la tuer. » Donc c'est maman qui a retiré l'araignée? Bah en fait, elle s'était noyée. Ah oui. Et parce que maman elle est dans le public là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on l'entend derrière. Donc maman a retiré. Ah la mygale, pas l'araignée là, elle était noyée. Elle était. Ouais, elle s'est noyée dans l'eau parce que j'ai laissé couler dans l'eau, je suis sortie de la douche, de la salle de bain. Donc il n'y avait plus de danger en fait. J'avais peur quand même, mais, je me suis méfiée, je regardais partout. Alors au programme cet après-midi, des jeux et encore des jeux, on va jouer, on va faire un baccalauréat. Et ouais, on va faire un n'oubliez pas les paroles, façon Ludo bien entendu. On se fera également le zoom de la semaine, le saviez-vous, sans oublier l'incontournable jeu de la vérité. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission sur le Facebook de TSO Radio avec le hashtag R2NE, Axel chez Ludo. Alors Axel, tout simplement, si tu étais un chiffre, tu serais... Le 14. Le 14, alors pourquoi le 14? C'est ma date de naissance. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai oublié, On reviendra tout à l'heure sur ta date de naissance, bien évidemment. Alors, Axel, si tu étais un animal, tu serais... Un lapin. Un lapin? Oui. Ah ouais? Tout mignon, tout ouais, doux. Ouais, voilà, c'est chou, un lapin. Pas quand ça mord pas, hein. Ouais, voilà. Axel, si tu étais un plat cuisiné, tu serais... Des pâtes. Des pâtes, oh, tout simplement. Ouais, simple. Ouais, y a pas de raclette, pas de fondue. Non, voilà. Juste des pâtes. Voilà, bon bah, c'est tout, hein. Axel, si tu étais un bijou, tu serais... Un émeraude. Si tu étais un jeu de société, tu serais... Le Uno. Le Uno. Ouais. T'as vu les nouvelles règles du Uno? Non. Non, tu les as pas vues? Non, c'est quoi? Ben, je m'en rappelle plus. Bien évidemment. Ben, tu iras faire un tour sur internet, il y a des nouvelles règles, c'est avec les plus 4 et les plus 2. En fait, ils ont changé carrément les règles. Tu verras, vu que t'es fan du Uno. Axel, si tu étais un accessoire de beauté, tu serais... Un highlighter. D'accord, mais je sais pas du tout c'est quoi en fait. C'est ce qu'on met là, juste en dessous de l'œil. Ah d'accord. Ça met de la brillance au visage, d'accord. On va dire. Axel, si tu étais une saison, tu serais... Une saison Stranger Things. Non, une saison. L'été, l'hiver. Ah, une saison. Mais bravo, hein. Non, mais... Merci pour la réponse. Hein. Bon. Voilà. On voit que t'es... Voilà. La tête. Une saison, bah l'été, ça fait, voilà. Il fait chaud. Voilà. Les vacances. Voilà, comme tout le monde. Si tu étais un film, tu serais... Un film. Ah ouais, là c'est plus dur, hein. Ouais, franchement, peut-être le Titanic. Ah, le Titanic, oh, c'est mignon. C'est beau. Une belle petite histoire. Le Titanic, histoire pour la musique? Pour la musique? Non, ou non, pour vraiment le film. Ah, c'est vraiment, c'est un beau film. Axel, si tu étais une chanson, tu serais... Avant toi, de Slimane et Vita. D'accord, très belle chanson. Oui. Très belle chanson. Allez, ne bougez surtout pas, on revient juste après le meilleur des hits. A tout de suite sur TSO Radio. Rien ne nous échappe, c'est Ludo sur TSO Radio. Écoutez TSO Radio partout, tout le temps sur tsoradio.fr.